C'était votre état hier, non? Non, non, pas trop. Je pense que pour la danse samedi, ça serait mieux de réserver, non? Et non, en fait, samedi, c'est mort, je vais à la campagne. À la campagne? Eh oui, pour le boulot avec les collègues, c'est team building. Là. Mais c'est pas grave, on ira une autre fois, non? Ouais, c'est pas grave. Ah, cette tête, enfin... Tu sais, je pense que j'y vais aller toute seule. J'ai envie de reprendre la danse. En fait, t'es complètement folle, quoi. C'est juste pour m'entraîner, c'est pas une grave. Non, mais c'est hors de question, en fait. T'as même pas eu ton rendez-vous avec le neurologue, là, pour tes mouvements normaux. Non, je crois que le principal, là, c'est de retrouver un travail, tu crois pas? Ce sera un bon départ. Bon, allez. Je dois finir. Coucou. Ça va? Oui, toi? Oui. T'as passé une bonne journée? Ouais. T'as fait quoi aujourd'hui? T'es sortie? J'avais un entretien d'embauche. Top. Et c'était quoi? C'était pour être nounou. Tu sais comment moi j'adore les enfants. Oui, oui, je sais, mais enfin, je sais pas, tu pourrais peut-être essayer un peu, non? Hein? Faire un effort. Tu vas pas rester à la maison toute ta vie? Peut-être il faut trouver quelque chose qui m'inspire. Non? Sí, amiga, estoy muy contenta de haber continuado la danza. Me encanta y me hace mucho, mucho bien. Pero bueno. Ya sabes que no le he dicho nada a Julián porque es un estresado de la vida y bueno, todo eso. Otra vez me volvió a postergar la salida. ¿Otra vez? Ah, mais ça va pas vous deux en ce moment, non? Oh, depuis un moment, ça va pas nous deux. Pero bueno. ¿Y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ça va pas non plus avec Martin. Ayer se puso un poco violento. ¿Violento? ¿Pero eso qué quiere decir? Bueno, estábamos discutiendo otra vez, tiró las cosas al piso y me empujó un poco fuerte. Amiga, tienes que tener mucho cuidado porque en cualquier momento puede pasar algo mucho más violento, eso es un poco grave. Y no sé, o sea, puedes buscar como asociaciones, otro tipo de cosas porque en cualquier momento puede pasar algo grave. Yo de ti preferiría estar sola. Pero dejarlo, o sea, es prácticamente la única persona que conozco en Francia y quedarme sola, no sé qué voy a hacer. Mira, espera. Je vous apporte de quoi manger. Ah merci, mais j'avais déjà fait des courses. Julien m'a dit qu'il commandait tout le temps, c'est pour ça. Hein. Tu fais encore de la gymnastique? À mon avis, c'est pas une bonne idée. Tu vas te blesser. Voilà. Je vais t'aider. T'as repris la danse? T'as repris la danse. Mais tu sais que c'est pas bon, hein. Tu vois où ça t'a mené. Hein. Julien a raison, tu dois avancer. Ça, c'était toi avant. Maintenant, tu dois recadrer ta vie, avoir des enfants. Je sais pas si tu réalises que t'as déjà plus de 30 ans. Ça aurait été bien que tu fasses cet emploi de nounou parce que ça t'aurait permis de te tester avec les enfants. Mais t'inquiète pas. De toute façon, je serai là. Il faut que j'y aille en fait. Je suppose que tu gardes les clés? Bah oui. Thank you.
En fait, t'étais à la danse, quoi. Tu vas reprendre les concours aussi, c'est ça? Mais quand est-ce que tu vas comprendre que c'est terminé la danse, en fait? Non, c'est fini. Toi, tu vas plutôt expliquer pourquoi ta maman, elle a les clés. Je suis pas de sujet. Hein. Mais non, mais c'est ça exactement le sujet, je veux dire. Quand même, tu donnes les clés à ta maman. C'est comme si vous pensiez que j'étais incapable de faire les choses. Tu te rends pas compte? Elle vient ici faire à manger, elle vient ici faire le ménage. Tu veux quoi? Qu'elle me donne à manger? Tu veux quoi? Qu'elle m'habille? En parlant d'habits, ça fait combien de temps qu'on n'a pas fait l'amour, toi et moi? Tu n'as plus envie de moi? Mais moi non plus, j'ai pas envie de toi. Parce que ça marche plus. Ça ne marche plus, en fait. Ça marche plus depuis l'accident, et toi tu le sais, et moi je le sais, et on continue à être ensemble, on se construit une cage, ça sert à rien. Oui, j'ai repris la danse. Ça me rend heureuse, plutôt que d'être ici, dans cette foutue cage, où tu veux m'enfermer. Parce que toi, en fait, ça t'arrange, en fait, que je sois là. Je préfère être seule qu'avec un fantôme. Tu risques de te blesser. À mon avis, c'est pas une bonne idée. T'as repris la danse. En fait, t'es complètement folle. Ça, c'était toi avant. Non, je crois que le principal, là, c'est de retrouver un travail, tu comprends? Maintenant, tu dois recadrer ta vie. Quand est-ce que tu vas comprendre que t'es plus une danseuse? C'est fini, tout ça.